Je suis ravi de recevoir le Tour de France 2023 dans l'Ain, avec une étape 100% indinoise entre Châtillon-sur-Chalaronne et le Grand Colombier, le 14 juillet, suivie d'une autre étape à Bourg-en-Bresse. C'est vraiment une satisfaction suite aux actions que j'ai menées pour obtenir ces deux étapes. Je voudrais vraiment remercier ASO et son directeur Christian Preudhomme d'avoir encore une fois choisi l'Ain pour le Tour de France.